depuis quelques années maintenant. On a la chance d'avoir Rodolphe Roussy, le président de la FAV, qui est avec nous ce matin. Donc aujourd'hui, on lance la branche sud avec l'idée d'essayer de créer une communauté autour de ces démarches valeurs, de porter en marche les bénéfices qu'on peut en tirer et qui va faire l'objet donc de cette matinée. Donc on va avoir différents intervenants qui vont vous présenter comment on travaille sur les démarches valeurs, sur des cas concrets d'application dans des entreprises. On va commencer. Je voudrais remercier Vanina Padovani qui est là ce matin, qui nous accompagne un petit moment, de l'UPE 13 et qui nous donne la possibilité de faire cet événement dans ce lieu. Vanina. C'est surtout l'agrégation du MEDEF ici et c'est 10 600 entreprises adhérentes. Voilà, donc nous sommes très heureux de compter ECP parmi nos adhérents et du coup de vous accueillir sur notre site. Juste à titre d'information, nous organisons une soirée le 10 janvier sur Aix-en-Provence pour ceux qui sont de la région, la soirée des vœux des acteurs économiques, qui se déroulera à la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-en-Provence. Voilà, vous êtes les bienvenus. Merci. Bonne journée. Merci. On accueillera donc ensuite Rodolphe Roussy, président de la FAV, donc il va nous faire un petit point sur l'organisation de la FAV, ses enjeux, ce qu'elle met à disposition de l'ensemble des sociétés pour nous accompagner. Je vous présenterai par la suite la démarche en quelques mots, vous donner des grands outils d'utilisation de la démarche. Et puis, on continuera avec trois interventions de Philippe Leclerc qui nous parlera du déploiement de l'analyse de la valeur au sein de SNCF. Véronique Farnot qui nous parlera également de ce qui se passe du côté du CEA d'EN. Et puis Olaf de MR qui nous présentera la mise en œuvre sur des cas concrets également. L'objectif de cette matinée étant bien entendu de générer des échanges. Donc il y aura toute une partie la plus large possible, on espère, de questions sur la démarche. Donc, je vais commencer par vous présenter la démarche d'analyse de la valeur, puis après, je vous présenterai l'association. Alors, je commence par une petite question. Est-ce que vous connaissez ces entrepreneurs? Allez, je vous mets sur une piste. Deux sur trois? Trois sur deux? Un seul? Bon, alors, de gauche à droite, on a le fondateur de Dyson, Monsieur Dyson. Après, on a notre fameux Steve Jobs. Et on a un nom imprononçable, Ingmar Kamprad, qui est le fondateur d'IKEA. Et donc, c'est quoi leur point commun, à votre avis? Voilà. Et bien, en fait, ils ont tous un peu un même mode de pensée, c'est-à-dire qu'ils partent d'une fonction ou d'un service mal rendu pour s'en extraire de la solution, pour inventer quelque chose de très différent. C'est Ingmar Kamprad qui, à sortir de la guerre, va se dire, les gens n'ont pas d'argent, ils ont besoin d'acheter des meubles. Or, dans un meuble, ce qui coûte, c'est quoi? C'est un montage de le transport, puisqu'on transporte du vide. Donc, il a inventé le fameux meuble en kit que tout le monde connaît. C'est Dyson qui s'est dit, un aspirateur, c'est un truc assez simple, c'est bête, mais donc les deux seules fonctions finalement qu'on peut identifier, c'est de collecter les saletés qu'il y a sur le sol, et deuxièmement, c'est s'en débarrasser dans la poubelle. De remettre un sac à poubelle intermédiaire entre les deux, finalement, c'est complètement inutile. C'est ce qu'on appelle fugace et loin du juste nécessaire. Et c'est Steve Jobs qui, dès le départ, avait cette démarche. Il faut savoir que Steve Jobs, dès la fondation d'Apple, il était entouré d'un électronicien qui mettait deux fois moins de composants pour les mêmes fonctions dans ses appareils pour rendre le même service. Et c'est le premier à avoir eu des intuitions en disant, aujourd'hui, il y a une tour et un écran. Finalement, la tour s'embête tout le monde. Il y a des fils, ça s'encrasse, etc. Mettez-moi l'écran et la tour dans la même unité. Alors là, les ingénieurs de Steve Jobs, ils sont tombés par terre en disant, vous êtes fous, ça ne tiendra jamais, ça va chauffer, etc. Le fait est que ça marche, et c'est pareil pour les touches. C'est le premier à s'être dit, finalement, on n'a pas besoin d'une touche mécanique sur laquelle appuyer. Ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir écrire des lettres sur un écran, ce qui est très différent de la solution. Et donc, comment font ces gens? Ça, c'est ça la vraie question, en fait. Ces gens-là, c'est un peu intuitif. Il y en a qui appellent ça des génies.
nous, on pense finalement qu'il y a des moyens de se rapprocher de leur système de pensée. Et c'est ce qu'on appelle l'analyse de la valeur, avec en préalable l'analyse fonctionnelle, c'est ce que je vais vous expliquer ce matin. L'analyse de la valeur, elle est née juste après la guerre, en fait, dans un contexte qui ressemble un peu à aujourd'hui, avec une hausse des matières premières. Et hausse des matières premières, donc hausse de prix de revient des produits. Et la General Electric, qui était une des plus grosses boutiques planétaires, la General Electric, pour faire une comparaison, à l'époque, ça devait être l'équivalent d'un Google ou d'un Microsoft aujourd'hui, s'est dit, aujourd'hui, nos produits, les prix des produits explosent et on n'a pas de moyens pour optimiser nos produits. Au début du siècle, on avait inventé des méthodes pour optimiser les lignes de production. C'était le Fordisme, le Taylorisme, le début de la standardisation. En revanche, personne ne s'était jamais posé la question, si je veux optimiser la table, l'ordinateur, je ne sais quoi encore, comment je fais. Donc, ils ont mandaté quelqu'un qui était à la division purchasing, donc Larry Miles, donc aux achats, pour réfléchir à une méthode. Alors, à la même époque, il y avait des gens qui réfléchissaient à des méthodes de marketing, de nouvelles marketing, du brainstorming. Tous ces intellectuels-là américains se connaissaient et ils se côtoyaient. Et donc, la Larry Miles, il a quand même pris 2 ans pour établir sa méthode. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout un tas de produits qui faisaient la générétrique, il les a posés sur la table. Puis il a commencé à décomposer, à regarder qu'est-ce qui coûte, combien ça coûte, à quoi ça sert, se poser des questions de base, et finalement mettre en regard à quoi ça sert et combien ça coûte. Et ces deux grands coups de génie, c'était aperçu, un, qu'on n'achète pas la solution pour la solution en elle-même, mais pour les services qu'elle nous rend. Service, besoin, fonction, tout ça, c'est synonyme dans l'analyse de la valeur, d'accord? Donc, je n'achète pas pour le produit en lui-même, mais pour les services qu'il me rend. Et deuxièmement, il a réfléchi à l'inverse. C'est-à-dire que quand on étudie un produit, souvent, si je prends la table, on va dire le coût du plateau, on va décomposer par pièce. Lui, il a essayé de savoir, comme il s'était embêté à décomposer les fonctions, savoir combien coûtaient les fonctions, ce qui est très différent. Par exemple, si je prends un stylo pour écrire au tableau, évidemment, il n'y en a pas. La fonction plaire à l'œil de ce stylo, c'est quoi? C'est un pourcentage du colorant que je mets dans le fût, c'est la forme du moule du fût, etc. C'est pas facile à appréhender, d'accord? Donc lui, il essaie de raisonner à partir des fonctions qu'il avait identifiées, puisqu'un objet a toujours plein de fonctions, hein, ce qu'on appelle un juste nécessaire économique, c'est-à-dire le minimum de matière, d'énergie de mise à la forme et de main-d'œuvre que je pourrais dépenser pour rendre le service. Et quand il a assemblé tous ces justes nécessaires des différentes fonctions que les objets avaient et qu'il les a comparés au coût qu'il dépensait réellement, il a vu que finalement, il y avait un écart important. C'est-à-dire que la somme des justes nécessaires, sur un produit un peu compliqué, on a l'habitude de dire que ça dépense jamais 20 à 30% du coût. Le reste, c'est quoi? C'est du gras. Il vient d'où ce gras? Il vient de plusieurs choses. Il vient du fait que les ingénieurs, je suis historien de formation, donc je charrie souvent les ingénieurs, ne m'en voulez pas, mais ils sont payés pour développer des solutions. Et donc, ils ont un côté ceinture, bretelles et parachute. Donc, ils rajoutent des tolérances qui sont parfois excessives parce qu'ils ne veulent pas être pris en défaut, premièrement. Deuxièmement, ils ne choisissent pas toujours la solution la plus optimale pour remplir chacune des fonctions. Et troisièmement, il faut bien lier toutes ces fonctions ensemble dans un seul et même objet. Et ça, c'est un niveau de gras supplémentaire qu'on rajoute. Et du coup, on passe de 20 à 30% du coût juste nécessaire à 100% du coût. Ce qui veut dire que là où, aux achats, on avait une marge de manœuvre qui était assez faible, puisque finalement, la vieille technique qui existait avant l'analyse de la valeur, c'était rogner les marges des fournisseurs, ce qui est limité, puisque on gagne quoi? 5, 10% grand maximum. Et encore aujourd'hui, 10%, c'est un vrai challenge. Donc là, notre terrain de jeu, c'est pas 5-10%, c'est 70 à 80% le gras. Alors, on n'arrivera jamais au juste nécessaire. C'est un idéal théorique. En revanche, on peut tailler ça par 2, par 3 et aller gagner du 20, du 30, du 40%. Et c'est pour ça que les gens font appel à nous. Pour gagner 5%, ils arrivent en rognant les matières, les épaisseurs, etc., en se creusant un peu la tête. Par contre, pour aller chercher du 30, du 40%, ils ont besoin d'une méthode pour les aider à réfléchir différemment. Et c'est le but de l'analyse de la valeur. Alors, la nouvelle approche, évidemment, vous l'avez compris, elle se base sur l'analyse fonctionnelle. Alors, il y avait des préalables, des préludes à l'analyse fonctionnelle qui avait été dans les années 30 avec l'école architecturale du Bauhaus et où on s'était rendu compte qu'un meuble, c'était pas juste un bureau, c'était aussi un truc pour rendre des services, qui devait habiter des stylos, pouvoir écrire, etc. Et puis après, pendant la Seconde Guerre mondiale, on avait déjà eu des benchmarks fonctionnels où on disait, comme on manquait de matières premières, pour faire des ailes d'avion, on peut les faire en toile, comme les Japonais, ou pour une cabine de camion, on peut la faire en métal, en bois plutôt qu'en métal pour sauver du métal, etc. Mais par contre, la vraie formalisation de l'analyse fonctionnelle, elle date de Larry Miles et de l'analyse de la valeur. Donc le but du jeu, comme c'est une méthode qui est aux achats au début, c'était d'exprimer fonctionnellement son besoin au fournisseur. C'est-à-dire jusqu'alors, on faisait un cahier des charges techniques et on donnait un cahier des charges techniques au fournisseur. Si par exemple, vous avez un fournisseur de panier pique-nique dans les années 70 qui fournissait un panier pique-nique complet avec un verre en verre dedans, qu'est-ce qu'on lui disait jusqu'alors? On disait, je veux un verre en verre avec un pied de telle hauteur, de tel diamètre, etc. Si vous donnez ça 5 verriers, vous allez avoir un prix moyen de, 1 euro. Et vous allez avoir une dispersion qui va aller de 95 centimes à 1,05 €. Pourquoi? Il n'y aura pas une large dispersion parce que tout le monde achètera la matière première pareil.
Les process éprouvés seront à peu près de même nature, donc il n'y aura pas de raison qu'il y ait une différence extraordinaire. Et la structure des frais généraux ne sera pas tellement différente, donc il n'y aura pas des écarts de coûts démesurés. En revanche, si je fais un cahier des charges fonctionnel et plus technique, je veux dire, moi, j'ai besoin d'un truc qui contient un liquide de 33 centilitres, qui résiste à la pression de la main d'un enfant comme un culturiste de 150 kg, qui présente un certain aspect à l'œil, etc., etc. Donc, je ne décris plus la solution, mais je décris mon besoin. Et bien, quand je pars de ça, pourquoi j'irai voir des gens qui font du verre? Je peux aller voir des gens qui font du bois, du plastique, du carton. Et dans l'ensemble de toutes les solutions que je vais trouver qui vont répondre complètement à mon cahier des charges, ben, j'en aurai un gobelet en plastique à quelques centimes jusqu'au verre baccarat à 200 euros. Et j'en aurai peut-être même certains qui répondront mieux à mon cahier des charges originel technique, le verre en verre qui risque de casser quand je fais un pique-nique, que l'ancienne solution. Donc, le but, il est là. Donc, le but, c'est d'identifier les fonctions et après, de dépenser le minimum pour satisfaire les fonctions. Et enfin, c'est une méthode pour stimuler la créativité parce que quand on exprime les fonctions, on n'est plus prisonnier de la solution et on peut réinventer quelque chose de très différent. Alors ça, c'est pas naturel du tout. L'exemple que je donne toujours à mes élèves, c'est que quand je demande à quoi ça sert une fourchette, ça sert à quoi une fourchette? Et lancez-vous. À piquer. Piquer, à manger. Ça, c'est un peu mieux. Mais 99% des réponses que j'ai à chaque fois, c'est à piquer ou à manger. Donc, piquer, qu'est-ce que vous faites? Vous répondez à une autre question que je ne vous ai pas posée, c'est comment vous utilisez la solution que vous connaissez. Vous voyez qu'on a du mal à se départir des solutions. Le but du jeu, c'est de remonter aux besoins. Pourquoi j'ai inventé ce truc-là? Donc, si je raisonne fonctionnellement, une fourchette, ça sert à quoi? Ça sert à isoler la main des agressions de l'aliment, le chaud, le froid, la saleté, et à isoler l'aliment des agressions de la main, les virus, les microbes, la saleté que j'ai dessus. Si je raisonne comme ça, je peux inventer des baguettes, je peux inventer un gant isotherme, je peux inventer 1000 trucs qui ne seront pas une fourchette. D'accord? Par contre, si je dis ça sert à piquer, bah, je vais tourner en rond dans la solution. Et je risque pas d'inventer quelque chose de très différent. Et du coup, pas moins cher. Par exemple, qu'on donne souvent, c'est le stylo de la NASA. Je sais pas si on a entendu parler. C'est un stylo qui a vraiment existé, qui a coûté plusieurs millions de dollars à développer. Quand on a dû envoyer des astronautes américains dans l'espace, on s'est dit, bah voilà, les astronautes, ils ont des activités, ils ont des notes à prendre, etc. Et donc, à un moment, on s'est dit, bah voilà, il faut qu'ils écrivent. Donc, on a inventé un stylo pour l'espace, quoi. Problème du stylo, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'écrire au plafond, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on a un truc qui s'appelle la gravité sur Terre, mais qui n'y a pas dans l'espace. D'accord? Et donc, ils se sont dit, bah voilà, ils ont inventé une vraie petite usine à gaz, c'est qu'à le dire, puisque à l'intérieur de ça, il y a une cartouche de gaz qui propulse l'encre et qui permet d'écrire en apesanteur. Alors, la légende dit, hein, c'est une légende, qu'à la fin du projet, il y en a un qui s'est dit, mais au fait, comment font les Russes? Et là, il y en a un qui lève la main qui dit, mais je crois qu'ils utilisent des crayons papier. D'accord? Alors, ça vous fait sourire, mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y en a un qui est pour un contexte très différent qui est parti de la solution et l'autre qui est parti du besoin. Et c'est ça qui est intéressant dans le raisonnement fonctionnel, c'est qu'on part du besoin. Alors, le raisonnement fonctionnel, il permet plein de choses. Parce que dans les sociétés, et dans les administrations aussi, on a l'habitude de partir sur les solutions et de s'écharper sur des solutions. Et personne ne se comprend, c'est un dialogue de sourds. D'accord ? Le jeu, là, c'est de partir sur un besoin, d'exprimer un besoin. Et ça permet beaucoup de choses. Ça permet l'objectivité. Je ne sais pas si je donne un exemple. Si je demande aux gens dans la salle, c'est quoi la meilleure voiture? Alors là, je vais avoir un panel de réponses. Hein. Ça va aller de la Laguna à la Merari, en passant par la Ferrari, le Cacat Touareg, et j'en passe. Et personne n'aura raison, personne n'aura tort. Par contre, si j'ai une activité à mener, je suis chasseur. Je dois me rendre sur mon lieu de chasse. Bah, si je fais ça avec le marketing ou des représentants des utilisateurs, bah, tout ce que je vais décrire, ça va être objectif. C'est-à-dire que je vais dire, bah, en moyenne, je fais 30 km pour aller sur mon lieu de chasse ou 15 km, j'en sais rien. Je suis chaud de mon vêtu, je dois pouvoir charger un chien, deux chiens, trois chiens, des fusils, du gibier qui saigne, etc. Ça permet l'exhaustivité parce que si je décris bien avec le représentant des utilisateurs, il va me dire, bah, j'ai un contexte où je charge la voiture, j'en ai un autre où je la décharge, après, je dois prendre l'apéro sur le capot, très important. Après, je dois rentrer chez moi, je dois pouvoir nettoyer ma voiture s'il y a eu du gibier qui saigne dedans, etc. Ça crée le consensus parce qu'une fois que j'aurai exprimé ce qu'elle décharge, qui est objectif, exhaustif, quand je vais comparer tous les véhicules que j'ai précités à ce qu'il y a des charges, il y en a bien un qui va sortir du lot. C'est sûr que la Mehari sera plus adaptée pour mettre des chiens et du sanglier qui saigne que la Ferrari pour passer dans les chemins boueux. Et puis, ça peut susciter la créativité parce qu'il y en a peut-être un qui va se réveiller, qui va se dire dans le groupe de travail, mais là, on est en train de comparer des véhicules avec lesquels on va au travail ou en vacances avec nos enfants pour mettre des chiens, du gibier qui saigne. Ça se trouve, souvent, on a besoin, c'est un gros truc avec trois roues, des suspensions et une grosse benne qui peut se laver au jet et qui n'a rien à voir avec ma Clio que j'utilise tous les jours pour aller au travail. Alors, Larry Malch, il avait édité 13 points, en fait, pour la méthode. Alors, c'est une petite fiche que les ingénieurs gardaient avec eux régulièrement en guise de pense-bête. Alors, on en cite quelques-uns parce qu'on les rencontre toujours quand on fait des études d'analyse de la valeur.
éviter les généralités du type on ne peut pas faire mieux. La première chose à laquelle on est confronté, puisque le raisonnement fonctionnel est assez disruptif, c'est la résistance au changement. C'est-à-dire que les gens vont être là pour justifier leur solution et pas du tout pour trouver la nouvelle solution. Donc, il faut prendre garde à désamorcer ce genre de choses quand on fait une étude d'analyse de valeur. Alors, souvent, on fait lire des petits bouquins. Il y en a un qui est très connu qui a piqué mon fromage. Je ne sais pas si vous connaissez. Hein. C'est l'histoire de deux petits souris qui vont dans un labyrinthe tous les jours et puis pour chercher du fromage qui est toujours au même endroit. Puis un beau jour, ils arrivent, les deux copains souris, et puis il n'y a plus de fromage. Ah. Ils reviennent le lendemain, il n'y a toujours pas de fromage. Le surlendemain, il n'y a toujours pas de fromage. Au bout du quatrième jour, il y en a un qui se dit, bah oui, c'est bien gentil, mais on va mourir de faim. Hein. Donc, il y a un labyrinthe à côté qui est noir, obscur, il fait froid, il y a peut-être des chats qui vont nous manger, mais il prend son petit courage de souris à deux pattes, et puis il va explorer le labyrinthe, et finalement, il part trouver un autre fromage qui disparaît à nouveau, il finit par explorer un autre bout, et trouver un autre fromage qui est d'ailleurs pas forcément moins bon, même meilleur. Alors que l'autre, il s'obstine, il revient tous les jours en disant, c'est pas normal, le fromage, il a toujours été là, il doit être là. Et ces deux côtés, on a tous dans notre cerveau, et il faut faire attention à ça quand on fait un groupe de travail, c'est à équilibrer ce genre de personnalisé, à passer un peu outre. Le manque d'information est source de valeur insuffisante du produit. Dès qu'il y a une zone d'ombre, et quand on fait de l'analyse fonctionnelle, on va pousser assez loin, c'est-à-dire qu'on va exprimer les fonctions, le niveau des fonctions, et on va taper sur les niveaux et sur les fonctions pour être sûr que c'est vraiment le niveau que les gens veulent atteindre. Et on va découvrir qu'il y a des zones d'ombre. Par exemple, le cabinet, on a fait une étude il y a des années sur une seringue qui prenait des doses infimes pour le nucléaire ou pour le médical. Et qu'on avait fait le bloc diagramme, c'est-à-dire un outil qui décompose les pièces à l'intérieur avec les fonctions qui passent sur les pièces. Il y avait une pièce où personne, aucun des ingénieurs de la salle n'était capable de m'expliquer à quoi servait. C'est quand même gênant. Hein. Et donc, on a appelé le retraité, puisque ça m'est arrivé 5 fois dans ma carrière, hein, devoir appeler le retraité, parce que les gens de la salle ne savent pas répondre aux questions. Et le fameux retraité nous a expliqué que c'était une pièce qui était là pour retenir un ressort sur une machine qui n'était plus sur la ligne de production depuis des années. D'accord? Et ce genre de choses, c'est très, très courant. Dynamité, reconstruire, améliorer, on dit toujours qu'un produit, c'est une suite de péripéties, de sédimentation. Et toutes les organisations, que ce soit un service physique ou un produit ou un service immatériel, c'est toujours la même chose. On rajoute des pansements, des rustines avec les années. Bien souvent, on n'a pas le temps, on est pris par le temps dans les entreprises. Donc, le produit qu'on sort ou le service qu'on sort, c'est un prototype pas dégrossi parce qu'on est pressé. Et après, il y a un consultant qui vient ou un animateur d'analyse de valeur et qui vous pose la question, mais ça, à quoi ça sert? Et les gens sont secs. J'avais fait une étude pour une usine qui faisait des gâteaux. C'était deux génoises avec un petit hamburger avec une mousse au chocolat au milieu. Et puis la ligne de production était tout en long comme ça. Donc la pâte était soutirée, après elle passait dans le four. Après il y avait le chocolat qui était soutiré. Après il y avait un retourneur qui mettait pour former le petit burger. Et puis après ça prenait un grand tournant. Donc les gâteaux se décalaient un peu et là il y avait un tapis rétractable qui déposait les gâteaux dans leur emballage qui était un plastique thermoformé qu'on operculait et il est déposé par 4, par rangée de 4, il reculait, il reposait 4, il reculait, il reposait 4 et après ça avançait d'un pas et c'était filmé. Le problème c'est que comme les gâteaux ils prennent un tournant, ils se décalent. Donc ils avaient soudé un peu des clous en inox un peu à la MacGyver sur leur flux pour essayer de redresser tant bien que mal les gâteaux mais ça marchait pas vraiment. Donc là j'avais deux opératrices en 2-8, donc 4 opératrices à 22 000 euros, 88 000 euros pour caresser des gâteaux. C'est dommage, ce n'était pas marqué sur l'emballage, c'était tout caressé avec amour. Sauf qu'après, la ligne, elle faisait ça. Donc, moi, je suis un peu interloqué quand même, je dis, mais pourquoi vous n'avez pas tiré tout droit, tout simplement, parce qu'il y avait la place. Et la réponse, c'était, oui, mais avant, il y avait une cloison, il y a 3 ans. Donc, ce qui est intéressant, c'est le temps du verbe. Donc, ça fait des années qu'ils voyaient, pendant 10 ans, ils ont vu des caresseuses de gâteaux se tuer les yeux et le dos pour caresser les gâteaux et ils ne sont pas remis en question quand ils ont fait sauter la cloison. Et ça, ça arrive tout le temps. D'accord ? Faire preuve d'une réelle imagination créatrice, un match, il disait en fait qu'il y a au moins 8 façons de rendre un service, quoi, qu'il faut pratiquer le brainstorming. Dans la réalité, la fonction, elle est unique, mon besoin, elle est unique, je dois me rendre d'un point A à un point B. Par contre, les solutions pour rendre la fonction, il y en a une infinité, d'accord? Je vais en pied, en delta plane, en vélo, en taxi, en tout ce qu'on veut. Et enfin, oui, j'allais oublier, raisonner comme si c'était votre propre argent. Quand on fait l'analyse de la valeur, on est dans la peau du chasseur de coûts inutiles, d'accord? Et donc, ça doit nous déranger. Alors, c'est pas toujours évident, hein, parce que pour une entreprise, une ligne de production, ça peut coûter 1 ou 2 millions d'euros. Le moindre petit sujet, ça peut coûter une fortune. Et c'est sûr que c'est des... Enfin, pour ma part, je ne manipule pas ce genre d'unité à la maison. Et moi non, mais c'est quand même important de redescendre tout en euros, y compris très bas dans l'entreprise, et c'est ce qu'on fait rarement en France parce qu'on a toujours une petite pudeur sur les coûts. J'avais fait une usine de jambon où le jambon, vous savez, il est dans un emballage thermoformé et puis operculé, et
le matin, quand l'opérateur arrive, la première chose qu'il fait, c'est de caler la ligne. C'est-à-dire qu'il cale le film sur le film, sur l'emballage thermoformé. Donc, quand il cale la ligne, il n'y a pas de jambon qui va dedans. C'est-à-dire qu'il y a des centaines d'emballages à vide qui vont finir dans la poubelle, parce qu'une fois qu'ils sont scellés thermiquement, bah, ils sont morts. D'accord ? Si le gars, il met 5 minutes pour le faire, ou 2 minutes, dans le petit tas qu'il y a après, c'est pas du tout le même prix. Et quand vous lui faites le calcul que en 5 minutes, il y a l'équivalent de son SMIC qui passe en 4 jours, bah, le gars, au bout de quelques jours, il va faire attention à le faire plutôt en 1 minute 30 qu'en 5. Et ça, c'est vraiment important. Et on est vraiment en minute depuis des années pour faire cette pédagogie. Alors, la définition que j'aime bien donner, parce que souvent, il y a une définition de la mise à l'heure sur un rapport qualité-coût, mais je préfère parler d'un couple. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'un rapport, on en privilégie, enfin, il y a toujours un côté genre des gradins par rapport à l'autre. Alors que le but de l'analyse de l'heure, c'est pas ça. C'est de se dire, c'est quoi le niveau de qualité attendu, ni plus ni moins. Si je suis sur un bagage, par exemple, bah voilà, un bagage, si ma valise résiste au crash de l'Airbus comme la boîte noire, quelque part, c'est de la surqualité, d'accord ? Je me moque que mes enfants héritent de mes caleçons et de mes t-shirts. En revanche, s'ils cassent sur les rouleaux de la bagagerie de l'aéroport de Roissy ou d'Orly, au moindre coût, je suis clairement en dessous du niveau de qualité attendu. Donc, le but du jeu, c'est de définir le niveau de qualité attendu, d'accord ? Et une fois que j'ai identifié, c'est quoi les solutions qui existent ou à inventer pour le répondre au moindre coût ? On n'est pas des cost-killers, hein. C'est pas la démarche. On est vraiment là pour satisfaire un besoin. Et c'est là-dedans qu'il y a l'amélioration qualitative. Parce que quand je vais faire un cahier des charges fonctionnel, je vais peut-être m'apercevoir qu'il y a des fonctions qui ne sont pas assouvies ou mal assouvies par la solution de référence, qui pourraient être améliorées, et donc je crée, j'innove. Donc il y a une partie innovation, une partie optimisation. Et c'est pour ça que la méthode analyse à l'heure, c'est une méthode de compétitivité. Ce n'est pas une méthode d'optimisation des cours, de compétitivité. Dans compétitivité, j'ai le plus et le moins. Et là-dedans, bah, c'est des boîtes qui font ça comme ils respirent, des analyses fonctionnelles, il y a des gens comme Decathlon, par exemple. Ils vont prendre un produit qui est vieux comme le monde, l'attente, hein, qui existe depuis les soldats romains ou même avant, et vont se dire, bah, il y a un contexte d'utilisation qui est nul, le montage. Hein. Moi, j'ai monté une tente dans les années 80 avec mon père, je m'en souviens encore, avec les petits tubes et les numéros dessus, le maillet, les sardines et tout, bah, la quechua, vous la jetez, elle est montée. D'accord ? C'est le masque de plongée, vous l'avez peut-être tous vu cet été. Avant, j'avais un tuba et un masque, donc des éléments. Si je suis pas un plongeur aguerri, que je sais pas bien respirer par la bouche, bah, j'ai du mal. Ça fait de la buée. Ça me cache une grosse partie de la vision. Donc, le requin des Landes de la mer qui arrive à 90 degrés, je le vois pas. Enfin, voilà, il y a beaucoup de contraintes. En plus, ça épouse mal la forme. C'était mal adapté. Donc, ils ont inventé un masque intégral. En plus, je prends la tasse si je suis mauvais plongeur avec un clapet anti-retour, avec le tuba intégré et avec un système anti-buée et qui prend beaucoup mieux le visage. Et en plus, comme c'est des Decathlon et qui font tout produire en Chine, et qui conçoivent tout en France, quand vous regardez les masques, ils s'empilent les uns dans les autres. D'accord ? Donc, ils prennent moins de place dans le conteneur. Donc, même le contexte d'utilisation du transport est pris en compte. Et les boîtes qui font ça comme elles respirent, hein, c'est des Decathlon, des Ikea, des Walmart, etc. Et donc, c'est généralement, c'est des gens qui sont passés de la consommation ponctuelle d'analyse de la valeur au management par la valeur, qui est le but ultime de l'analyse de la valeur. Généralement, c'est plutôt les leaders de leur marché. Donc, le but du jeu, hein, une fois qu'on a identifié les fonctions, c'est d'en déduire ce qu'on appelle un juste nécessaire économique. C'est quoi le minimum que je pourrais dépenser pour les services, pour, par comparaison, le delta, identifier le gras, et donc c'est mon terrain de jeu quand je fais une étude d'animation, d'analyse de la valeur. Alors, la démarche, elle est un peu disruptive par rapport à la mentalité française où c'est souvent très hiérarchique et très parimédial en France. C'est-à-dire que le management, il y a les génies du marketing qui ont une idée ou du commerce, qui dépassent à la R&D, qui lui passent lui-même un process, et puis après la logistique et les achats doivent se débrouiller en début de chaîne, en fin de chaîne, je veux dire, avec tout ce qu'ils ont subi au-dessus. Et donc forcément, ça, on n'a pas le meilleur parti de chacun. Le but de l'analyse fonctionnelle, c'est de mettre tous les acteurs ensemble au début d'un projet et les faire travailler avec une méthode commune. Et ce qu'on dit souvent, c'est que l'analyse de valeur, c'est une méthode de dialogue. On a l'habitude de comparer ça à la maïeutique de Socrate, mais c'est vraiment le but, c'est de faire accoucher les cerveaux des gens qui sont dans la salle et de leur fournir un cadre de dialogue commun. D'accord ? Les fonctions permettent ça. Et donc, on met tous les représentants des utilisateurs, les experts, les acheteurs, les fournisseurs et évidemment tous les membres de société, hein, contrôle de gestion, R&D, maintenance, process, logistique. Si je vous donnais le petit exemple tout à l'heure de mon gâteau, par exemple, un produit agroalimentaire, ça finit toujours sur une palette Europe. Une palette Europe, ça a comme dimension 80-120. D'accord ? Or, le petit gâteau en question, là, il faisait peut-être 7 cm de diamètre. Donc, en fait, il n'était ni multiple de 80 ni de 120. Ça veut dire quoi concrètement ? C'est-à-dire que sur chaque palette qui sort de ces gâteaux, il y a plein de vides. Donc, et en termes écologiques et en termes économiques, en termes économiques, c'est
pas du tout une bonne idée. Et le but du jeu, c'est ça. Si on avait fait un cahier des charges commun, avec tout le monde et les contraintes de tout le monde autour de la table et les fonctions exprimées par tout le monde, on ne serait pas abouti à ces 7 cm de diamètre. Or, ça ne marche pas comme ça dans les boîtes aujourd'hui. Et donc, c'est à la fois une méthode d'optimisation et d'innovation, et c'est à la fois une méthode de management de la valeur. Donc, les objectifs de la méthode, hein, c'est satisfaire un impératif d'économie, hein, de dépenses, de temps, de poids, de carbone aussi, hein, puisque aujourd'hui, il y a des notions écologiques. Alors, de volume aussi et de masse, puisque dans l'aéronautique, par exemple, c'est très important, même dans le ferroviaire aujourd'hui. On sait très bien qu'un kilo embarqué, ça représente un litre de kérosène tous les X kilomètres. Donc, dans plein de branches économiques, entre guillemets, il n'y a pas que l'euro qui est pondéré. On a un membre de la FAF qui est M. Quenderf, qui est chez Airbus. Et ils ont carrément des ABAC où, pour tant d'euros gagnés, on a le droit à tant de kilos et inversement sur l'avion. Donc, voilà, on peut avoir plusieurs unités qui rentrent en compte. Qu'on soit la qualité qui rapporte, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, la mise en valeur, c'est pas que du moins économique, ça peut être aussi du plus. C'est-à-dire que si je trouve une fonction qui n'est pas assouvie par les solutions du marché aujourd'hui, je trouve un moyen de me démarquer de la concurrence et donc soit de prendre des parts de marché, soit d'augmenter mon prix et donc mes marges. D'accord ? Donc on n'a pas de stress avec ça, c'est complètement synergique avec la mise en valeur. Et accroître l'efficacité de la matière grise, pourquoi ? Parce que aujourd'hui, dans les entreprises, on formalise très peu, on fonce un peu billet en tête sur les solutions et finalement, on aboutit à un proto sur le marché où on n'est jamais très satisfait parce qu'on ne veut pas prendre le temps. Le but là, c'est de prendre le temps au départ, de faire de l'analyse fonctionnelle, de poser le pourquoi avant de commencer à attaquer le comment. Et après, le temps qu'on perd au départ, on le gagne 10 fois à l'arrivée. Alors, moi, j'ai travaillé beaucoup dans l'agroalimentaire et pour un industriel qui avait une trentaine d'usines et jusqu'alors, il mettait 8 mois pour faire un nouveau produit agroalimentaire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le marketing qui exprimait un besoin, après l'achat qui disait « Ah bah oui, mais il ne faut pas que ce soit trop cher », et puis la qualité qu'on voyait une liste d'ingrédients du produit concurrent sans réfléchir un peu bêtement. Et évidemment, personne ne se comprenait, soit on n'était pas au niveau de qualité, on n'avait pas les bons ingrédients, soit on n'était pas au coût, etc. Et parce qu'ils ne faisaient pas de cahier des charges, tout simplement. J'ai dit stop, et maintenant on va faire un cahier des charges fonctionnel du produit, de l'ingrédient, qu'est-ce qu'on en attend gustativement, et de l'emballage, c'est quoi les fonctions de l'emballage. Et après, on va faire 2-3 scénarios de solutions et on va les comparer à nos cahiers des charges. Et là, on est passé de 8 mois à 2 mois. Donc, en guise de conclusion de cette introduction, on aime bien citer cette phrase d'Einstein, c'est « Les problèmes importants quand même de se confronter ne peuvent pas être résolus avec les habitudes de pensée qui ont été à l'origine de leur apparition. » Et le but de l'analyse de valeur, c'est vraiment ça. C'est de forcer les gens à prendre de la hauteur sur ce qu'ils font pour voir les choses avec un angle différent et manager quelque chose de très différent et donc souvent qui rend mieux le service et moins cher. Le but, hein, c'est vraiment de faire mieux avec moins. Alors, comme je vous l'ai dit, l'analyse de valeur est née sur les produits. La réalité, c'est que, et je ne pense pas que les consultants qui sont dans la salle vont me contredire, c'est que la majorité des gens le consomment en mode optimisation, c'est-à-dire quand ils partent des parts de marché, quand ça va mal, etc. Alors que les boîtes qui l'utilisent dès la conception, voire dès la recherche fondamentale, bah, c'est des boîtes en général qui se portent bien, et c'est des Decathlon, des Ikea, et ils le font de façon proactive. Pourquoi attendre de faire mal un produit pour l'optimiser après? Pourquoi n'essayer pas de le faire bien tout de suite du premier coup? Ça paraît un peu logique, mais ça n'est pas si évident. Donc, comme je vous ai dit, l'analyse de valeur, elle est née sur les produits. Mais très rapidement, dans les années 70, les premiers cabinets de conseil qui ont introduit l'analyse de valeur en France ont été sollicités pour optimiser des process. Alors, on ne savait pas ce que fabriquaient les Japonais avec le Lean Manufacturing, hein, qui est une méthode d'optimisation des processus industriels au Japon, qui était à peu près à la même époque. Et du coup, à partir de l'analyse fonctionnelle, ces cabinets ont développé des outils pour optimiser des processus industriels. Puis, dans les années 80, c'est les banques, les assurances, les hôpitaux qui sont venus un peu par curiosité, voir ce qu'on faisait un peu dans ce monde industriel et qui se sont dit que ce serait capable d'adapter des outils pour optimiser un service marketing, un processus de facturation, etc., etc., et des achats de frais généraux. Et on a développé des outils aujourd'hui pour optimiser un processus tertiaire qui est ni plus ni moins comme un processus industriel, ce que au lieu de manipuler des pièces et des matières premières, on manipule de l'information qui a parfois un support numérique, parfois oral, parfois papier et qui change d'ailleurs souvent de support à support. Donc, je vais conclure sur la présentation de la FAV. Donc, la FAV, c'est l'Association française pour l'analyse de la valeur. Elle a pour but, évidemment, de promouvoir ces méthodes. Vous verrez, hein, tous les membres de la FAV, je pense qu'ils sont passionnés. C'est plus qu'un métier pour nous. C'est pas un hobby, mais c'est notre façon de voir les choses. Ça vous imprègne après, une fois qu'on vous fait ça. On y croit tous. On trouve ça dommage que ça soit pas aussi autant popularisé. Alors, il y a des méthodes un peu concurrentes, hein, le Lean, les choses comme ça, mais qui sont pas aussi puissantes parce que elles sont pas aussi radicales. Alors, aujourd'hui, on entend parler plein de méthodes, hein, l'innovation frugale, l'économie de la fonctionnalité,
fonctionnalité, c'est j'ai plus besoin d'une voiture, j'ai besoin de me déplacer d'un point A à un point B. Hein. Mais tout ça, quand vous regardez bien, c'est de l'analyse de la valeur remarketée. Il n'y a rien de nouveau. Nous, ça fait 50 ans, 60 ans que l'analyse de la valeur fait ça. Elle le fait plutôt bien. On a un système de certification avec tout un parcours. J'ai une slide dessus après, qu'on est en train de remettre à plat puisque le niveau européen a un peu augmenté les exigences. Donc, on a créé des diplômes français intermédiaires pour qu'il y ait un parcours vraiment linéaire, pour que les gens puissent sentir une progression constante. Si ça vous intéresse, on pourra en parler après. Enfin, je vous expliquerai un peu le processus et puis le parcours. Et puis, on a une activité normative puisqu'on a des représentants de la FAV à la FNOR qui font des normes régulièrement. Et donc, on veille à ce qu'on ne raconte pas n'importe quoi sur les normes d'analyse de la valeur. On a participé à un guide sur les PME aussi. Enfin, voilà, on a une activité assez proactive sur tout ce qui est normatif. Donc, le parcours de formation, hein, il commence par un module de simple participant qui dure 3 jours, en fait, où on a un premier vernis. C'est des modules, on essaie de scaler un peu tous les consultants sur un même genre de module, c'est-à-dire des modules où on allie à la fois théorie, pratique, exercice, retour d'expérience. Et puis après, on a un statut d'animateur, on a intercalé un diplôme entre pour avoir une progression un peu constante et qui va jusqu'au TVM, qui est le formateur d'analyse de la valeur. Donc, tout ça, ça se fait sur plusieurs années, hein, puisque ça requiert, le premier module, c'est juste de la théorie et un peu de pratique, mais après, ça requiert d'avoir d'expérience, c'est-à-dire d'avoir participé à des études, puis après avoir animé des études, puis après avoir déformé, avoir un support de formation. Donc, il y a un parcours constant. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai donné envie d'en savoir un peu plus. Maintenant, je vais laisser Marion nous parler des outils. Alors, je vais juste recentrer et redonner les grandes phases et les outils de tout ce que Rodolphe vient de nous parler, puisqu'il nous a parlé de la philosophie de la démarche de la valeur. Moi, je parle beaucoup d'une philosophie, comme il le dit, une fois qu'on a mis un pied dedans et qu'on est entraîné. Alors, on le fait, on invite tout le monde à le faire très largement, et ça devient un réflexe dans notre vie au quotidien, c'est-à-dire que quel que soit le projet, y compris un projet personnel, je prends souvent l'exemple de l'organisation de mes prochaines vacances cet été ou de mon réveillon de fin d'année puisqu'on est dans les temps, c'est aussi un projet et il y a des outils, il y a des moyens pour faire de ce projet une réussite avec des outils utilisés dans l'analyse de la valeur. Donc, la démarche telle qu'on la formalise ou telle que je la formalise, elle est basée sur ce schéma-là avec différentes grandes étapes. On va les décrire petit à petit. En partant de l'idée d'un projet, que ce projet soit un produit, comme Rodolphe vient de nous en parler, que ce soit une installation nucléaire beaucoup plus, alors pas forcément complexe qu'un produit, mais avec des interacteurs beaucoup plus grandes, des aspects SNCF avec de nombreuses parties prenantes. On a une idée de projet. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que ce projet, qu'il soit de la reconception ou de la conception initiale de l'innovation, on puisse faire en sorte d'avoir un support d'aide à la décision, c'est-à-dire de donner des orientations de scénarios pour faire en sorte que le projet parte sur les bons rails le plus rapidement possible pour éviter ce qui coûte cher par la suite, c'est-à-dire les remises en cause, les modifications, les interfaces qui sont mal identifiées et qui font qu'on a des projets, malheureusement aujourd'hui, et c'est une grande majorité, qui dérivent dans les coûts, dans les délais et surtout aussi dans les performances. Donc, pour parler de ces grandes étapes, quand on a une idée de projet, quand on a une modification à faire, des améliorations ou on part de la feuille blanche d'une innovation, la première des étapes à réaliser, c'est de rassembler, d'identifier et de rassembler l'intégralité de ce qu'on appelle les parties prenantes, ceux qui ont quelque chose à dire sur le projet et qui vont pouvoir donner leurs ambitions, les enjeux et exprimer de manière collective l'expression fondamentale du besoin, c'est-à-dire à quoi ça sert. Pourquoi je vais le faire? Vous mettez dans la salle une dizaine de personnes et vous leur demandez, on va faire une nouvelle organisation pour la SNCF, par exemple. Philippe en parlera un petit peu tout à l'heure, certainement.
Vous mettez l'exploitant, vous mettez le responsable de l'immobilier du parc SNCF, vous mettez un représentant des clients, parce qu'il y a des voyageurs dans une gare SNCF, vous mettez la qualité, vous mettez la sécurité et vous leur dites, bah, écoutez, on va revoir les implantations de certaines boutiques ou points de vente, etc. dans la gare. À quoi ça sert? Vous avez 10 personnes dans la salle, vous avez 10 réponses différentes. Essayez de mettre tout le monde d'accord sur l'objectif du projet. Parce que si tout le monde part avec le même objectif, on a quand même plus de chances de réussir à la fin que si chacun rame de son côté. C'est déjà quelque chose qui est assez compliqué. Donc, identifier les parties prenantes, donner l'expression fondamentale du besoin, le pourquoi du projet, et identifier ce que moi j'appelle les critères de valeur, c'est-à-dire les ambitions qui sont associées. Il y a des ambitions économiques, bien entendu, Rodolphe vient de nous en parler. Il y a des ambitions écologiques, environnementales, il faut faire plus vert. On peut avoir des enjeux contractuels. Il y a peut-être des solutions qu'on va pouvoir mettre en place pour répondre à ce projet qui sont contractuellement beaucoup plus faciles à déployer. On peut avoir des critères marketing liés à l'image de la société selon le scénario que je vais déployer, selon la solution que je vais trouver pour répondre à mon besoin. Je vais donner une image qui sera différente selon cette solution. C'est la première partie de la démarche complète d'analyse de la valeur qui constitue en général un des premiers chapitres du rapport final qui sera formalisé. La deuxième étape, Rodolphe en a beaucoup parlé aussi, c'est tout ce qui est lié à l'analyse fonctionnelle. Analyse fonctionnelle, donc une fois qu'on a l'idée du projet, on va faire une décomposition fonctionnelle, on va lister l'ensemble des grandes fonctions auxquelles le système qu'on est en train de développer doit répondre. On liste également les contraintes, puisque souvent, on ne peut pas faire n'importe quoi. On est soumis à des normes, on est soumis à des réglementations. On a des contraintes qui sont imposées au système qu'on est en train de développer. Et pour l'ensemble de ces fonctions et de ces contraintes, on fait une caractérisation, c'est-à-dire qu'on identifie des performances, qui sont les performances clés que le système devra atteindre et qui permettront par la suite, dans le déploiement du projet, de décliner ces performances clés au regard des différents titulaires de l'eau, par exemple, pour identifier des performances élémentaires ou des performances réparties, faire une cascade de performances pour s'assurer que l'ensemble des objectifs du projet, quand on arrive à définir une taille de vis qu'on met dans un moteur, cette taille de vis dans le moteur, c'est pour remonter à une puissance de moteur au global. Mais la taille de la vis, elle n'est pas tombée du ciel, elle vient d'une déclinaison de performances, dont les performances clés. Et on fait cet exercice sur l'ensemble du cycle de vie du produit ou du système qu'on est en train de définir. C'est-à-dire qu'on part depuis les phases d'études, de faisabilité, de toutes les phases qui sont avant la mise en service du produit. Donc, on a des projets en phase d'investissement souvent. Mais derrière, ce produit, ce système qu'on a déployé, il va être exploité. Et associé à ce système, on a des coûts d'exploitation. Là encore, selon la solution qu'on va définir pour répondre à nos fonctions et à notre besoin originel, les coûts d'exploitation pourront être différents. Donc, on regarde l'ensemble des cycles de vie, depuis les études jusqu'aux phases de déconstruction, démantèlement, etc. Et on raisonne en coût global, c'est-à-dire qu'on va comparer les solutions et les scénarios qu'on va mettre en œuvre au regard de l'intégralité de leur cycle de vie. Cette deuxième étape constitue très souvent le deuxième chapitre du dossier final qu'on élabore, le cahier des charges fonctionnelles. Une fois que le projet est bien défini et qu'on a l'ensemble des fonctions auxquelles le système doit répondre, il s'agit alors de définir des scénarios pour répondre à l'ensemble de ces fonctions. Ces scénarios, on les constitue par combinaison de solutions élémentaires, l'ensemble de ces solutions pouvant être comparées au regard des coûts pour avoir l'aspect le plus important, enfin la solution optimale au regard des coûts, le scénario qu'on peut construire in fine, il est caché derrière, l'ensemble de ces scénarios seront comparés
au regard des critères de valeur qu'on avait identifiés dès le départ, c'est-à-dire qu'on va comparer les scénarios au regard de l'environnement, au regard du contractuel, au regard de l'image qu'on va générer, etc. On a un système de notation ou de canevas valeur qui nous permet d'identifier quel est le scénario qui, pour l'ensemble des parties prenantes, nous paraît le plus pertinent. C'est ce scénario-là qui va être proposé au décideur qui va lancer le projet et pour lequel, par la suite, il pourra lancer des estimations beaucoup plus fines, des macro-planning, des macro-analyses de risque, des pilotages d'interface, des pilotages de performance, etc., pour orienter le projet et prendre la décision d'un projet qui sera le plus pertinent pour le besoin qu'on avait initialement posé. Rapidement, la démarche.